le début de Baguette, c'était très difficile. Et moi, je suis l'exemple que j'ai trouvé une banque avec un produit. Donc, en 1998, donc j'avais ouvert le deuxième point de vente, la Kinyami. Personne ne me connaissait, c'était à mes débuts. Et le chef d'agence de l'AC, j'ai dit qu'il y a un service qui est ici. J'avais ni bureau, ni idar à l'administration. Et je n'étais pas encore client à même banque. Donc, quels sont vos projets, qu'est-ce que vous comptez faire, comment est votre vision. Je lui ai raconté comme ça, j'étais encore jeune de 30 ans. Khali, à partir d'aujourd'hui, vous avez une banque derrière vous. Et jusqu'à aujourd'hui, il a tenu parole, j'ai toujours eu la même banque derrière moi. Je suis toujours fidèle à la même banque. Alhamdoulilah, je pense, les gens le savent, je suis 100% à la même banque. Je suis fidèle à la même banque où je le resterai, Inch'Allah. A-t-il quelques chiffres et quelques informations sur les dimensions actuelles? Vous avez combien de magasins vous... J'ai commencé donc, avec deux magasins, c'est les 10 pamphlets, je faisais 500 000 dinars de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est à 30 magasins à Baguette et Baguette. On a deux franchises étrangères, donc Chili's, qui a deux points de vente, franchise américaine. Nous avons une autre franchise américaine, Papa John's, avec deux points de vente, la troisième en cours. 30 millions de chiffres d'affaires.